attention, please. Tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Rimworld Alpha 13, l'épisode 6, si je dis pas trop de bêtises. Alors souvenez-vous, dans les deux derniers épisodes, une catastrophe sans précédent est tombée sur notre chère colonie et a tué pas mal de nos colons, qui sont morts soit d'affection, soit de maladies extrêmes, soit de la maladie du sommeil pour notre cher Goodwin, et voilà. Et donc, pour survivre, il ne restait plus que Loen, qui a réussi à capturer Ryu et à pacifier Ryu. Heureusement. Pour terminer ce let's play, où je ne sais pas où on va aller, j'ai décidé de leur laisser libre cours, libre choix. Ils peuvent tout faire, ils font ce qu'ils veulent. Point. Ils font ce qu'ils veulent. On va plus se casser la tête. Là, apparemment, ils sont sur les cultures en priorité, puisqu'ils estiment qu'il faut remplir le frigo, alors que dans le frigo, on a quand même pas mal de viande. Donc on devrait, là on pourrait par exemple leur dire de nous faire quelques repas raffinés, faire jusqu'à en avoir on va dire 10, hein, comme ça permettra de d'épluser un peu toute notre viande. On a du houblon mais je n'ai malheureusement pas dans la production de quoi faire le houblon, parce qu'il faut faire la recherche. La recherche apparemment ils s'en foutent, hein. Là, ils sont sur l'agriculture, hein. Ils ont décidé d'être fermiers. Ils s'en foutent complètement de l'énergie. Bon, bref. Je suis un peu déçu d'avoir eu trop de catastrophes en même temps, d'avoir perdu trop de colons, puisque c'est dommage. Parce qu'avec ce let's play, je voulais qu'on découvre ensemble, c'est vraiment plus profondément cet Alpha 13. Donc, malgré ce que je vous ai expliqué, le patch notes, dans... dans la vidéo de présentation qui prépare en fait ce let's play, j'aurais quand même voulu assez rapidement vous en montrer plus. Là on est à 6 épisodes d'une demi-heure à peu près, ce qui fait que ça fait 3 heures de jeu. Sur ma partie que je vous ai présentée dans le patch note, j'ai commencé à avoir des problèmes au bout de 4 heures de jeu, pas au bout d'une heure et demie de jeu quoi. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le gameplay, c'est aléatoire, c'est ce qui fait... Là par contre, là tu m'embêtes parce que du coup le frigo est une grande porte ouverte, du coup il fait froid ici. On va transporter ça, on va faire un peu de nettoyage. Non, il veut pas, non, il a décidé de pas avoir envie. Il veut élever nos sangliers. C'est pas plus mal, t'as raison. Parce qu'on en aura besoin de nos sangliers pour transporter, puisqu'on n'a plus de transporteur. Ah, sanglier 1. Donc maintenant, pause. Notre sanglier 1, il faut à tout prix qu'on l'entraîne à devenir transporteur. Il faut qu'il transporte. On y va. Puisqu'on n'a plus de transporteur, il faut qu'il transporte. Mental, non, il va tuer notre sanglier. Et voilà. Mais c'est pas possible. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais de chez jamais. C'est incroyable, mais vrai. Priorise. En terre. On n'y arrivera jamais. Mais jamais de ces jamais. Holden, je pense pas que tu puisses secourir le sanglier, si on peut. Alors, on va te laisser finir de soigner, machin. C'est catastrophe, hein. Je vous avoue que... Oh non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On est en train de te soigner. Bon, là, c'est mort. C'est la fin de la partie, hein, de toute façon.
Là, on sent bien que c'est la fin de la partie. C'est pas possible. Lui, il va être dans le coma. On est foutu. Donc, c'est ce qui s'appelle la fin. La fin, la fin, la fin. Alors attendez, je regarde un truc, je coupe et je reviens. Donc, je vous explique que cette petite pause rapide, en fait, j'ai pas envie de finir comme ça. Je veux me donner une chance. J'aurais pu relog la save. Non, j'ai préféré faire un truc qui est pas bien. Je me suis foutu un colon avec la console d'édition qui lui va aller immédiatement sauver Holden et après nous sauver Ryu. Donc je sais que c'est pas bien, vous le direz. Voilà, il me soigne les deux. Allez, me tourne les deux. J'aimerais bien sauver le sanglier aussi. Allez, allez. On se dépêche. Là, c'est à cause de la chaleur, hein. Donc, on a la canicule. On avait la pluie toxique qui nous a foutu le bordel. Ils ont pété des câbles. Ils se sont battus entre eux. Ils ont chopé des maladies. On a eu ensuite Oling soigne Ryu. Et tu me soignes Ryu. La canicule est terminée, hein, donc ils pèteront peut-être moins de câbles. Par contre, dans le travail, on va repasser comme ça. Il faut que Ryu, toi tu nettoies l'environnement, tes médecins. On va repasser tout en priorité. Holden, Holden, Holden. Donc cuisinier, c'est toujours Holden. Dresseur, on va laisser Holden. Joaillier. Constructeur, on va remettre celle-ci. Et toi, on te passe en deux. Mineur, mineur, lui, il peut pas miner, donc ça va être elle. Et toutes les autres priorités, on va les laisser telles que. Et toi, toi, toi. Ryu, tu vas me favoriser. Là et fermier, on va te laisser en fermier. Bon, deux en fermier aussi. On va commencer les recherches. Quoi? Maladie, infection. Bon, faut arrêter avec les maladies. Ryu, Ryu. Ryu, il pète un câble. Voilà. Au lieu de rester au lit et de se soigner. Bon, bah, faut dire qu'il y a des cadavres aussi là, hein. Les cadavres. Allez, on va enterrer les cadavres parce que ça fait pas. Il est où l'autre? Ouais, Elmine, d'accord. Holden. Non, Holden, Holden, tu vas m'enterrer les cadavres. Enterre-moi Valérie. J'ai oublié de mettre le chrono. Je sais pas du tout combien je suis. J'avais fait une pause. Je sais pas combien de temps on avait regardé ça. On va dire qu'on en avait 15 minutes, on va peut-être faire encore 15 minutes, au pire. Donc le sanglier, malheureusement, il est mort. On n'a pas réussi à le sauver. Holden, tu fais quoi? Tu joues? Ok. Ryu, ça serait bien que tu arrêtes de péter un câble. Holden, Holden, attends, Holden, Holden, il faut que tu me récupères aussi. Oh, non, continue à... Tu me récupères le fusil. Le pistolet, c'était pour Ryu. Tu vas prendre le pistolet. Ryu, tu vas te soigner jusqu'à la guérison complète. Toi, soigne Ryu. Ok. Donc notre sanglier là.
Social, alors entraînement, travail. Dresseur. On va mettre deux. On va mettre deux. Qu'est-ce qu'on a encore? Mental. Chasseur n'a pas d'armes. Chasseur n'a pas d'armes. En chasse, t'es comment? Toi, tu es à 4. 5, 5. 3. Ben écoute, tu vas pas chasser. Holden. Rodat, tu vas me. En Terranji. Ah, plus de cadavres. On a eu beaucoup de morts. Voilà, promis, là, si ça repart en catastrophe, on arrêtera là. Hein. Chasseur n'a pas d'armes, qui? Et voilà, il est mort. Mais c'est pas possible. Ils meurent les uns après les autres. Dès qu'il y en a un qui va mieux, il y en a un autre qui meurt. C'est. Ça commence à me. Je vais être honnête avec vous, à me gonfler. J'ai fait des tests sur l'Alpha 13 sans problème. Hein, la partie que vous avez pu voir dans la vidéo de présentation. Ça marchait très bien. J'ai perdu des gens, mais disons voir que j'en récupérais plus facilement. Et là maintenant, là ça devient catastrophe. Donc on est toujours plus que deux. Un bagarreur et une arme à distance, Rodat. Ben écoute, elle va pas être contente, elle va péter un câble parce qu'elle a une arme à distance et elle est bagarreuse. Bon ben écoute, prends le couteau, qu'est-ce que je te dise. Et puis tu vas me m'enterrer Maverick. Non, mais c'est. Non, 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 c'est pas possible. Là, stop. Stop, stop, stop. Faut que ça arrête, les catastrophes. Ça arrête. Là, je n'en peux plus. C'est. On ne peut pas être tranquille une seule fois. Et pourtant, je suis en facile. Je suis en facile. Donc là, les batteries. On va mettre. Comme ça, ils auront vraiment du mal à se remplir. Il m'a de nouveau vidé tout. On va avoir une attaque. Je ne sais pas ce qu'on va avoir. Je le sens très mal. Ah, je le sens très mal. On n'alimente même plus nos générateurs. Holden, alimente nos générateurs. Il y a du bois. Secourir. On n'a pas les batteries à. Non, on ne les a pas. Pause, pause, pause. Et Holden. Rocat. On n'a qu'une seule tourelle. On n'a qu'une seule tourelle. On n'a qu'une seule tourelle. C'est bon. Heureusement, 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 heureusement. Oh, on a capturé personne. On a récupéré une seule personne. On n'a plus assez de tombes. Plus assez de tombes. Architecte des tombes divers. On va remettre des tombes. Là, j'ai entendu drôle de bruit. Notre sanglier, il est où? Delaya. On a renommé le sanglier. Ah bon? Entraîné. Ok, on l'entraîne à tout. Est-ce qu'il peut? Il peut? Non, il n'a pas encore un dans.
Donc notre nouveau travailleur, on va le laisser comme ça. Non, on va pas le laisser comme ça, on va mettre un 1. On passe à 3. Voilà, elle va faire le ménage dans la base. Elle peut pas transporter, elle sera pompier, elle se soignera, elle n'est pas médecin. J'ai mon fermier, j'ai mon cuisinier, constructeur, j'ai mon mineur. Ouais, ok. On va laisser tout ça comme ça. Et on recherche. Voilà. Tu nettoies la base et quand tu nettoies pas la base, on va démarrer les recherches. Un groupe de voyageurs. Donc là, normalement, on ne devrait pas charger les batteries à toc. On ne devrait plus avoir de TZ. Holden, je sais que tu dois... Mais là, il y a de la bouffe. Faut mettre à l'abri la bouffe. Ça, c'est trop important. Il faut... Quand il y a de la bouffe, faut la ranger. Faut me ranger la bouffe. Le houblon, c'est pas urgence, mais on va prendre le riz. Travail au transporteur. Si je te mets un en transport, Holden, tu fais quoi? Non, parce que tu vas prioriser les autres trucs. Il va dormir. Harper fait le ménage, ça c'est sûr. Il faudrait encore... Voilà, ça y est, on démarre enfin les recherches. Bon, le problème, c'est que je ne sais plus combien de temps on avait fait la première partie de l'épisode et cette partie. Donc, je vais l'arrêter là. Ça sera peut-être un épisode court. Alors, je vous remercie de suivre ce nouveau Let's Play sur l'Alpha Rimworld Alpha 13. Pensez à liker, commenter, partager. Vous abonner si c'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde.